notion de microagression a été forgée dans les années 70 par des psychologues, notamment aux États-Unis, et s'est diffusée depuis dans le champ des sciences sociales et au-delà dans la société, pour qualifier des discours, mais aussi des comportements non-verbaux qui sont peut-être moins évidents, moins directs que des formes d'agression verbale ou de discours de haine explicitement formulés, mais qui malgré tout laissent des traces. Alors les microagressions, ça peut prendre la forme de remarques, de regard, d'où tu viens, pourquoi tu ne bois pas d'alcool, ça peut être le fait de toucher les cheveux quand on a les cheveux crépus par exemple, des sentiments d'isolement, le fait qu'on ne vous dise pas bonjour par exemple dans le lieu de travail, ou des enfants avec qui on ne va pas jouer. C'est tout un ensemble d'éléments qui peut paraître anodin comme ça, mais qui mis bout à bout produisent ce qu'on peut appeler de l'altérisation, de la mise à distance du « eux » et du « nous » d'une certaine façon, contribuant à marquer des frontières symboliques entre les gens et produisant un sentiment d'exclusion, et ça laisse des traces quand même profondes sur les individus qui, souvent par leur répétition, s'en rappelle bien longtemps après, et ça crée du malaise, des traumatismes et parfois jusqu'à des dépressions. D'un côté, on a assisté depuis une vingtaine d'années à la montée en puissance des politiques de lutte contre les discriminations. On a de plus en plus de dispositifs. Le défenseur des droits joue un rôle décisif de ce point de vue-là et le lancement d'une nouvelle plateforme numérique depuis quelques années a permis d'augmenter le nombre de saisines, par exemple. Malgré tout, on constate un problème d'accès aux droits qui est fondamental. On sait que moins de 3% des victimes de discrimination sollicitent le défenseur des droits ou un avocat ou déposent plainte d'une façon ou d'une autre via des commissariats. Par exemple, alors pourquoi on ne mobilise pas davantage le droit quand on est victime de racisme? C'est un, parce qu'on n'a pas forcément conscience des dispositifs existants. Deuxième élément, déposer plainte, ça ne sert à rien, ça n'aboutit jamais. Et donc, alors que le dépôt d'une plainte, par exemple, contribue souvent à faire revivre la souffrance que constituent ces micro-agressions, ces discours de haine, ces discriminations, on n'a pas forcément envie de s'engager dans un processus long et douloureux dont l'issue est très incertaine. Et donc, peut-être qu'il y a un enjeu à favoriser l'issue de ces recours en cas de discours de haine. Première proposition, ce serait de former, mais surtout de former les élites en fait. Moi, je crois que un des problèmes dont souffre la société française, c'est la banalisation des discours de haine et de discrimination qui viennent d'en haut, pour le dire comme ça, et qui viennent légitimer, autoriser derrière des paroles, des interactions, des remarques parmi les citoyens eux-mêmes. Alors que la lutte contre les discriminations a beaucoup formé les gens et beaucoup de moyens ont été investis depuis une vingtaine d'années sur cette question-là, l'essentiel des moyens va à former plutôt les victimes en réalité. Alors c'est probablement utile pour qu'ils connaissent leurs droits, qu'ils sachent comment réagir, mais je crois qu'il y a un enjeu fondamental à former les élites politiques, médiatiques, les DRH, les responsables d'entreprise. Deuxième préconisation, c'est de favoriser l'accès au droit. La difficulté dans l'accès au droit, c'est à la fois qu'on ne connaît pas les recours disponibles. Par exemple, moi, les gens ne savent pas, en règle générale, qu'il existe des délégués locaux du défenseur des droits dans leur territoire qu'ils peuvent solliciter. Et puis aussi que les recours disponibles ne sont pas toujours bienveillants et accueillants. Un des guichets principaux en matière de discours de haine ou de discrimination, ce sont par exemple les commissariats de police. Sauf que moi qui travaille dans les quartiers populaires, on n'a pas toujours une relation apaisée avec la police. Une option de ce point de vue-là pourrait être de créer des guichets dédiés au sein des commissariats de police, comme ça a été fait ces dernières années concernant les violences sexistes et sexuelles, qui soient dédiés à la lutte contre les discriminations, le racisme et les discours de haine pour faciliter, d'une certaine façon, ce recours-là qui est très peu saisi, on le sait, à ce jour. Et troisième préconisation, c'est que pour faire de l'accès au droit efficace, il ne faut pas nécessairement attendre que les victimes se mobilisent elles-mêmes. Ce qu'il faudrait faire, c'est ce qu'on appelle beaucoup dans le champ du travail social, du aller vers. Comme on l'a vu de la même façon ces dernières années dans le champ des violences faites aux femmes, au fond, de dire « on vous croit ». Alors que le discours dominant en matière de lutte contre les discriminations, c'est « arrêtez de vous victimiser ». Il y a un enjeu à inverser la charge de la preuve, à dire d'une certaine façon « vous avez raison de vous manifester et de ne pas laisser passer
passer ce type d'acte-là, potentiellement de déposer une plainte. Et ce discours de légitimation suppose une intermédiation entre les victimes et les institutions, que les associations sont très bien placées pour jouer. Le problème, c'est qu'on est dans un contexte où aujourd'hui, notamment les associations antiracistes n'ont pas nécessairement bonne presse. Et donc, il y a besoin, je crois, de changer de regard à l'égard de ces acteurs-là, plutôt que de les voir comme des agents potentiellement séparatistes ou qui viennent critiquer la République, plutôt les considérer comme une chance, d'une certaine façon, pour le pacte républicain, qui vient rappeler l'enjeu cardinal de l'égalité, et donc l'enjeu des libertés associatives pour que ces acteurs-là puissent jouer ce rôle de aller vers pour aller chercher la parole des victimes, me paraît tout à fait décisif.